Peut-être le
Récupérez vos points de dépose et enroulez intérieur et extérieur, de haut en bas, ni d'avant en arrière. Massez bien votre haut du dos, vos omoplates, vos épaules. Les salutations soleil, du mouvement coordonné avec le souffle, vous êtes bien placé à l'espace d'un pied du corps avant du tapis. Et on démarre tranquillement, vous inspirez. Home 1, expire, main jointe à la poitrine, coude décalé. Home 2, inspirez, grandissez vers le ciel, crochetez les pouces, rentrez le nombril. Les doigts continuent de monter vers le ciel et d'aller et vers le ciel et légèrement vers l'arrière pour ouvrir les aisselles au maximum. Home 3, expirez, penchez loin vers l'avant, pliez les genoux si besoin, vous absorbez le nombril, les mains viennent à côté des pieds, main gauche à côté du pied gauche, main droite à côté du pied droit, genoux légèrement pliés si besoin, vous relâchez le dos, l'arrière des jambes. Enroulez, menton vers la poitrine et le front vers les deux genoux pliés. Vous enroulez les cervicales pour connecter votre front sur vos deux genoux. Home 4, reculez la jambe droite loin vers l'arrière. Posez le genou droit, dessus du pied droit dans le sol. Ici, on fait quelques micro-mouvements. On appuie sur la main droite, sur la main gauche. Regardez si bien gauche perpendiculaire au sol, le pied droit au sol. Laissez le bassin aller un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. Souhaitez à votre genou gauche, vous mettez de la mobilité dans la hanche gauche, avec la main gauche. Toujours en ayant le pied gauche le plus loin possible vers l'avant, pour bien descendre la hanche droite également dans un sens et dans l'autre sens. Puis passez sur le bout des doigts pour redresser sur le crâne, menton vers le ciel. Laissez descendre le bassin et le pied droit. Inspirez, grandissez. Home 5, planche, le pied droit se tend, le doigt tendu, le bras du pied gauche à côté du pied droit, les épaules au-dessus des mains, biceps tournés vers l'avant. Les doigts bien écartés les uns les autres, faites des grandes mains, ouvrez bien les doigts. Fessiers toniques, rentrez le nombril, actif dans la posture de plan. Les pieds serrés. Home 6, expire, pose genoux, poitrine, front au sol, plie les coudes le long du corps, posez les genoux, la poitrine entre les mains et le front au sol, exagérez les courbures de la colonne vertébrale, notamment dans le bas du dos, les hanches ne touchent pas le sol, les fessiers remontent vers le ciel. Vous exagérez l'antéversion de bassin. Et vous avez bien la poitrine posée dans le sol, entre les deux mains, et le front au sol pour exagérer la courbure cervicale également. Coude serré, omoplate serrée, active dans le milieu du dos et dans le bas du dos. Home 7, glissez vers l'avant, posez le bassin et dessus le pied, et glissez le menton droit vers l'avant, puis décollez, menton poitrine en serrant les fessiers, les lombaires, sans les mains. Deux lycomas, les coudes serrés. Puis avec les mains qui poussent vers l'avant du tapis, serrez les fessiers plus fort, cobra, sans tendre les bras. Au 8, on met les artères dans le sol, bien inversé, le bassin monte vers le ciel, les talons vont vers le sol, vous absorbez le nombril, bien droit depuis les mains jusqu'au bassin, bien droit dans les jambes, depuis le bassin jusqu'au talon. Vous êtes actif à l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets pour emmener les talons vers le sol, la tête va vers les genoux, vous ouvrez les aisselles au maximum. Gardez les biceps tournés vers l'avant et poussez bien dans vos paumes de main et phalanges de dos. Emmenez votre regard vers les genoux, voire même vers le nombril, très actif dans le VRF. Home 9, ramenez le pied droit sur la ligne des mains, soit directement, soit par l'extérieur, soit en posant d'abord le genou gauche au sol. Ramenez votre pied droit, posez bien le dessus du pied gauche dans le sol. Micro-mouvement, vous appuyez sur la main gauche, sur la main droite. Laissez le bassin aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Détendez. Tournez votre genou droit dans un sens, dans l'autre sens. Remettez de la mobilité dans votre hanche droite. Détendez avec douceur vos hanches, votre bassin. Passez sur le bout des doigts, redressez le sommet du crâne, menton vers le ciel, laissez descendre le bassin vers le sol. Inspirez, grandissez. Home 10, en gardant les mains au sol, prenez appui sur le pied droit et ramenez le pied gauche à côté du pied droit, pied et main sur la même ligne. Relâchez bien les épaules et la
ouvrir un côté des pieds, front, genou. Hop, 4, on fait la jambe gauche. D'abord, côté genou gauche, le pied gauche, passez sur le bout des doigts. Redressez, relâchez les épaules, inspirez. Vous êtes bien le pied derrière. Pour 5, planche, pied droit, à côté du pied gauche, belle planche de nuit, coupez le souffle. Hop, 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol, serré, omoplate, serré. Bassin surélevé, exagérez la courbure lombaire. Donc, 7, glissez vers l'avant, inspirez, demi cobra, sans les mains. Puis avec les mains qui poussent vers l'avant, demi cobra. Au 8, expire, réinversez, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Les pieds peuvent être écartés d'une dizaine de centimètres. Absorbez le nombril, poussez bien sur les paumes de main. Laissez le bassin monter vers le ciel. Faites de la place dans les deux ailes. Tête vers les genoux. Au 9, ramenez pied gauche. Sur la ligne des mains, demi au sol, dessus du pied droit. Passez sur le bout des doigts, inspirez, grandissez. Omnis, ramène pied droit, comme le pied gauche, expire en bas, menton, poitrine, front, genou, enroulez les cervicales. Om 11, redresse, inspire vers l'avant, vers le ciel, rentrez le nombril. Om 12, expire, détend, relâche. Inspirez. Om 1, expire, main jointe. Om 2, inspire, langue. Om 3, expire, rentre vers l'avant, vers le sol. Om 4, aussi jambe droite, genou droit au sol, inspirez, grandissez. Om 5, planche, coupez le cou, belle planche. Om 6, expire, pose genou, poitrine, front, les coudes serrés dès le départ, omoplate serré, bassin surélevé. Om 7, inspire, glisse, demi cobra, sans les mains. Puis avec les mains, serrez les fessiers plus fort. Om 8, expire, réinversez, bassin vers le ciel, talon vers le sol, bassin bien surélevé. Om 9, ramenez pied droit, genou gauche au sol, inspirez, grandissez. Om 10, ramène pied gauche, expire en bas. Om 11, on va s'inspire. Om 12, expire, détend, relâche. Côté gauche, inspire. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Om 4, plus jambe gauche, inspire et grandissez. Om 5, planche, coupez le cou. Om 6, expire, pose genou, poitrine, front, coude serré, on passe serré. Om 7, inspire, glisse, demi cobra, cobra. Om 8, expire, réinversez, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Om 9, ramenez pied gauche, genou au sol, inspirez. Om 10, ramenez pied droit, expire en bas. Om 11, on passe, inspire. Om 12, expire. Plus rapide, inspirez. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire. Om 4, on jambe droite, inspire. Om 5, planche, coupe le cou. Om 6, expire, genou, poitrine, front. Les avant-bras ne touchent pas le sol, sont des mains au sol à côté de la poitrine. Om 7, glissez vers l'avant, inspire, genou, cobra. Puis cobra. Om 8, expire, réinversez, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Om 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspire. Om 10, ramène pied gauche, expire. Om 11, on inspire. Om 12, expire. Côté gauche, inspire. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire. Om 4, plus jambe gauche, inspire. Om 5, planche poitrine. Om 6, expire, genou, poitrine, front. Om 7, inspire, demi cobra et cobra. Om 8, expire, réinversez. Om 9, ramène pied gauche, genou au sol, inspirez. Om 10, ramène pied droit, expire en bas. Om 11, redresse, inspire. Om 12, expire, détend, relâche. Dernier cycle, un peu plus lent, inspirez. Om 1, expire. Om 2, inspire, grandis. Om 3, expire, allonge vers l'avant, vers le sol. Om 4, plus jambe droite, inspire. Om 5, planche, tiens les épaules bien au-dessus des mains. Om 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol. Om 7, inspire, glisse, demi cobra et cobra. Sans les mains, puis avec les mains qui poussent vers l'avant du tapis. Om 8, expire, réinversez, bassin vers le ciel, talon vers le sol, rentrez le nombril, poussez sur les paumes de main, emmenez la tête vers les genoux. Om 9, ramenez pied droit, soit directement en posant le genou gauche au sol d'abord. Loin vers l'arrière, inspire.
vers le sol, tête vers les genoux. Home 9, ramène pied gauche. Rentrez ton dribble, le niveau au sol, inspirez dans le pied. Home 10, ramène pied droit, gardons les mains au sol, expire en bas. Home 11, redresse, inspire, loin vers l'avant. Poussez sur les jambes de pied, on vous expire, détends, relâche. Fermez les yeux. Ressentez l'énergie qui circule dans tout votre corps. Dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Ressentez votre cœur battre dans la poitrine.
contre les omoplates avant de resserrer, de tirer les omoplates vers l'arrière, tirer les coudes, resserrer les épaules pour mettre les mains en prière devant vous. Si c'est difficile, vous attrapez les poignets et vous tirez les omoplates, ou vous attrapez les coudes, ou des doigts de la main gauche, coude droit, ou des doigts de la main droite, coude gauche, et vous tirez les omoplates. Quand vous avez vos mains en prière dans le dos, peu importe la posture, vous décambrez le bas du dos. De la pyramide, la jambe droite recule d'un mètre vers l'arrière. Vous gardez les deux jambes tendues, si le bassin un petit peu pivoté vers la droite, vous le remettez de face, rentrez bien le nombril, inspirez. Et le dos droit, c'est le menton qui va loin vers l'avant. Vous pouvez rester parallèle au sol, ressentez l'étirement déjà dans le fessier gauche, ici aux jambes gauche, derrière de la jambe gauche. Les deux jambes bien tendues, poursuivez avec votre menton vers votre gros orteil pour étirer un petit peu plus l'arrière de la jambe gauche. Pour ramener même le front vers la cheville gauche, il y a gauche, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis remontez en inspirant, le menton droit vers l'avant, poussez sur vos plantes de pied, remontez le buste droit et ramenez le pied droit et expirez. Regardez le pied à l'avant du tapis, reculez la jambe gauche, ramenez vers l'arrière. Si le bassin peut basculer sur la gauche, le remettez de face, entrez le nombril, le dos bien droit, serrez toujours les omoplates, une bonne inspiration. Et à l'expiration, vous allongez vers l'avant, le menton loin vers l'avant, entrez le nombril, le dos plat, poursuivez pour ceux qui le souhaitent en amenant le menton vers le gros orteil, ressentez l'étirement plus intense dans l'arrière de la jambe droite, ischio-jambier droit, l'arrière du genou du mollet droit. Le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, le menton loin vers l'avant, poussez sur vos plantes de pied. Gardez les jambes tendues, le bassin le pousse, de face aussi, vers le pied gauche, et expirez. Puis relâchez doucement les mains, récupérez les épaules, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, les petits vides de l'infini dans un sens, et dans l'autre sens. Des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Petit émouillé, les poignets, les ventres croisés dans un sens, dans l'autre sens. On agite. Très souple. De haut en bas. De gauche à droite. Et quelques ouvertures de fermeture. Les bras bien tendus. On met les dames, les doigts. Et on fait des grandes mains, on contracte un peu les mains, les doigts, un instant. Et relâchez les dents. Ressentez l'énergie dans vos avant-bras, dans vos poignets, dans vos mains, dans vos doigts. Peut-être des sensations.
respiration, vous rentrez le nombril, la rétroversion du bassin, le menton vers la poitrine, le regard vers le nombril, le dos s'arrondit, dos rond, gardez les bras tendus. Inspirez dos creux, menton vers le ciel, ballon 10 secondes. Expiration, dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Puis dos creux. Dos rond. 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 Dos creux. Et dos. Emmenez les mains un tout petit peu plus vers l'avant du tapis. Vous posez le menton, vous gardez les fessiers au-dessus des genoux. Gardez les cuisses perpendiculaires au sol. Vous allongez les mains, vous relâchez les épaules, les omoplates. Essayez de poser le menton avec le regard vers l'avant dans un premier temps. Laissez faire un toboggan depuis le bas du dos, depuis les fessiers jusqu'au cou, jusqu'à la nuque. Les fessiers sont au-dessus des genoux. Vous allongez votre dos, vous travaillez sur la concavité du toboggan. Plus le menton est au sol, l'étape suivante, c'est la poitrine qui descend vers le sol. Le cou aussi, vous regardez devant vous, vous ouvrez les aisselles au maximum, vous êtes dans le sol. Relâchez votre milieu du dos, votre haut du dos, vos épaules, vos omoplates, vos clavicules. Encore le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Vous allez repousser le sol, repousser main gauche, repousser main droite, venir dans la posture du lièvre, c'est-à-dire les fessiers vers les talons. Le sommet du tronc au sol, les deux mains vont vers l'avant. Relâchez un instant votre dos. Le temps d'une bonne inspiration, gonflez le bas-ventre. Et à l'expiration, détendez. Encore une bonne inspire. Et une bonne expire. Les mains restent au sol là où elles sont, c'est-à-dire le plus loin possible vers l'avant en gardant les fessiers sur les talons. On passe dans le V inversé sans bouger les mains ni les pieds, vous placez juste les bols de pied dans le sol et vous montez votre bassin vers le ciel, talons vers le sol, les biceps tournés vers l'avant, tête vers les genoux. Absorbez, rentrez le nombril, emmenez vos talons dans le sol, essayez de décoller les orteils du sol en étant très actif à l'arrière des jambes. Poussez fort sur les paumes de main, les phalanges des doigts, vous ouvrez les aisselles au maximum, vous absorbez le nombril, le bassin monte vers le ciel, les talons vont vers le sol. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. La jambe gauche va monter vers le ciel, poussez bien dans la paume de main gauche, la pointe de pied gauche monte vers le ciel, le talon droit continue d'aller dans le sol, vous n'ouvrez pas la hanche. Vous gardez le dos droit, le bassin droit de face, la tête toujours vers le genou, V inversé sur trois membres avec la pointe du pied gauche qui monte haut vers le ciel. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Même chose avec la pointe du pied droit, vous ramenez pied gauche, le pied droit monte, pointe de pied droit qui monte vers le ciel, vous poussez bien dans la paume de main droite, gardez le bassin de face, le talon gauche dans le sol, la tête vers le genou. Très actif dans le fessier droit pour monter la pointe de pied droit vers le ciel. Actif dans l'arrière de la jambe gauche, le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Puis ramenez pied droit, restez dans le bas inversé avec les deux jambes au sol, le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Puis ramenez les genoux au sol, reposez, gardez les fessiers sur les talons. Relâchez vos épaules, détendez votre corps, gardez les paumes de votre tournées vers le ciel. Laissez le bas-ventre se gonfler ainsi, ressentez l'énergie qui circule dans votre dos, le sommet du crâne est vers le ciel.
première étape, vous emmenez votre sommet du crâne vers le ciel, légèrement vers l'arrière, vous regardez le ciel. Poussez bien, ressentez les pouces au niveau des crêtes iliaques, les deux petits os que vous sentez au-dessus des fessiers, dans le bas du dos. Laissez votre plexus monter vers le ciel, comme si un fil montait votre plexus vers le ciel. Et respirez surtout dans la posture, les épaules basses, resserrées. Une bonne inspiration, laissez le bas-ventre et la poitrine se gonfler. Et une bonne expiration dans la posture. Quand vous revenez de la posture, vos hanches d'abord vers l'avant, votre plexus qui monte vers le ciel, puis le cou, puis le menton en dernier. Quand on veut aller un petit peu plus loin, on reprend exactement la même posture à chaque fois, vérifiez que vous êtes à l'aise dans chacune des étapes. Une fois que vous êtes à l'aise dans la posture avec la tête, vous regardez vers le ciel, vous emmenez votre tête complètement vers l'arrière. C'est le sommet du crâne qui monte, on reprend la posture précédente et on va relâcher la nuque complètement pour commencer à regarder derrière soi, toujours en poussant les hanches vers l'avant, en resserrant les omoplates et en inspirant, en gonflant le bas-ventre. La poitrine, le plexus monte vers le ciel, le regard va vers l'arrière, les hanches sont toujours poussées vers l'avant, vous avez les paumes de main sur le haut des fessiers et vous faites de l'espace. En mouvement vers l'avant. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Pour revenir, même chose, les hanches vers l'avant. Plexus. Le cou. Le menton. La tête en l'air. On va aller explorer un petit peu plus loin, on va essayer de prendre appui avec le bout des doigts sur les talons pour venir chercher les talons, déjà on identifie où sont les talons. Donc avec la main droite, on vient regarder où est le talon droit. Une fois qu'on a le talon droit, on essaie déjà de pousser les hanches vers l'avant. On peut faire la même chose avec le talon gauche, voir où les doigts de la main gauche atteignent le talon gauche. Une fois qu'on a le talon gauche et le talon droit séparément, on essaie de les avoir les deux ensemble. Si les hanches sont reculées le temps de toucher les talons, vous les ravancez. Vous repoussez les hanches vers l'avant, et vous emmenez votre tête vers l'arrière pour aller progressivement un peu plus loin dans votre posture du chat. Quand vous avez bien le bout des doigts sur les talons, sur l'arrière de votre jambe de pied, vous essayez d'attraper vos chevilles avec les pouces à l'intérieur. Cheville gauche, cheville droite, main droite. Si les hanches ont reculé, vous repoussez vos hanches vers l'avant. Respirez dans la posture du chameau, le dos complètement concave. Quand vous êtes à l'aise avec les pouces à l'intérieur, quand vous attrapez les chevilles, vous tournez les pouces à l'extérieur, vous avez les biceps qui tournent vers les extérieurs, les pouces aussi, et vous repoussez les hanches vers l'avant. Vous laissez la poitrine se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Pour revenir, les hanches vers l'avant, plexus, cou, menton, et vous relâchez pour mieux finir. Détendez votre dos, la complexité, les épaules, la tête. Dans chacune des postures, des variations, vous cherchez la respiration. Si vous sentez que vous restez un peu en apnée, portez-vous à respirer et à vous. On va aller chercher un petit peu plus loin. Vous avez la possibilité de garder les mains sur les cuisses à l'avant. De ne pas emmener tout de suite le bassin vers l'arrière. Le but n'est pas d'étirer les quadriceps dans un premier temps. Ça viendra après. Vous emmenez quand vous êtes très à l'aise et vous avez déjà les chevilles. L'étape suivante, c'est d'emmener la tête vers l'arrière, d'ouvrir la cage thoracique, de pousser les hanches vers l'avant et de venir explorer progressivement cette concavité en emmenant le sommet du crâne visiter un peu plus loin vers l'arrière. Vous vous laissez partir progressivement. Vous faites des allers-retours, pas besoin d'aller forcément trop bas au départ et progressivement on emmènera le sommet du front au sol et on repoussera dans les jambes pour ramener le bassin
du talon, les mains loin devant. Décontractez, faites revenir votre bas du dos. Revenez de la concavité, rallongez la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le bas ventre sur les cuisses. Et à l'expiration, détendez tout votre dos. Encore une bonne inspire. Et une bonne expire. On passe dans la posture de planche. Vous gardez les mains là où elles sont. Vous avez déjà vos fessiers sur les talons, la posture du lièvre. Vous gardez les mains là où elles sont, comme on avait gardé pour la posture du verre inversé tout à l'heure. On garde les mains là où elles sont. On passe sur l'épaule de pied et vous tendez le corps en rentrant le nombril en activant les fessiers, en tournant les biceps vers là. Directement votre bon écart de planche. Les épaules sont au-dessus des mains. Les doigts sont bien écartés les uns des autres. Les biceps sont tournés vers l'avant. Fessiers serrés, nombril serré, actif. On va descendre le plus doucement possible au sol, en pliant les coudes, en utilisant les triceps. Travaillez le haut du corps, les coudes se serrent le long du corps, si possible pour 8, 7, 6, 5, 4 à la moitié, puis 3, 2, 1. Chaturanga, ras du sol, vous avez toujours la poitrine qui n'est pas posée au sol. Et on relâche, on pose le corps, tout ça avec les mains, peut-être d'un côté ou de l'autre. Les gros orteils se touchent, chevilles vers les extérieurs, vous détendez en posture de relaxation sur le ventre. Relâchez les fessiers, le bas du dos, les lombaires, vous avez le bas-ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Quand les gros orteils se touchent et que les chevilles partent vers les extérieurs, vous sentez plus de relâchement au niveau de vos branches. Vous pouvez faire des micro-mouvements à chaque fois que vous êtes dans une posture de relaxation sur le ventre. Des micro-mouvements de fessiers à droite à gauche. Osciller un petit peu le bassin pour encore mieux détendre vos branches et vos lombaires. Travail de Bhujangasana, posture des cobras, comme pour la salutation au soleil en détail. Les mains sont donc posées de part et d'autre de la poitrine, pas les avant-bras, juste les mains. Le menton, les pieds sont serrés. Le menton va loin vers l'avant, comme si vous posiez tout votre cou au sol. Deuxième étape, le menton continue d'aller vers l'avant, la tête va vers l'arrière. Le regard va déjà vers le ciel, vous essayez de poser votre arrière de tête sur les omoplates. Troisième étape, vous serrez les fessiers, serrez les lombaires et vous tirez vos coudes vers l'arrière. On reste là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Vous allez pousser un tout petit peu vers l'avant du tapis, vous serrez les fessiers et les lombaires un peu plus fort, c'est-à-dire que la poitrine monte un tout petit peu plus haut, et vous enlevez les mains pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore un tout petit peu plus, vous serrez les fessiers et les lombaires, décollez encore un petit peu plus haut, et lâchez les mains encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Ça avec les mains, d'être de l'autre côté, les gros orteils se touchent, chevilles à l'extérieur, détendez les hanches, les fessiers, les lombaires. Observez votre balance, le bon train inspire. Variation du cobra, vous avez le menton au sol, les mains viennent en contact l'une avec l'autre, si vous voulez applaudir avec les mains dans le dos derrière les fessiers. Vous avez les doigts qui s'entrecroisent, dans un premier temps, une fois que les doigts sont entrecroisés, vous essayez de monter les doigts entrecroisés vers
sentir la souplesse des épaules. Pour ceux qui le souhaitent, qui sont à l'aise avec les dents entrecroisées qui montent vers le ciel, vous faites un point avec les mains en serrant encore un petit peu plus les omoplates. Vous montez le point vers le ciel. Demi-cobra, le menton va loin vers l'avant, tête vers l'arrière, serrez les aisselles lombaires. En même temps, vous montez le point, vous montez le menton vers le ciel, décollez le menton poitrine pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Vous faites avec les mains, décroisez les doigts, relâchez les épaules, le bas du dos, les fessiers, les gros orteils se touchent, chevilles vers l'extérieur. Inspirez, gonflez le bas-ventre. Expirez, détendez le corps. Après Bhujangasana, Salabhasana, la sauterelle. Vous avez les jambes serrées, le menton au sol, les mains le long du corps, comme de retourner vers le sol. Vous appuyez bien avec les biceps, certains des coudes, les avant-bras, les doigts sont bien écartés les uns des autres, vous faites des grandes mains. Première étape, la demi-sauterelle, Ardha Salabhasana, côté gauche. La pointe de pied gauche se tend, vous activez le fessier gauche et la jambe gauche monte vers le ciel. Vous laissez monter pour 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. La pointe du pied droit, vous tendez la jambe droite, elle se lève, vous activez le fessier droit sans ouvrir la hanche, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Préparez le bas du corps, encore avec une bonne inspire. Une bonne expire. Puis serrez les deux fessiers, les deux pointes de pied se tendent, les jambes tendues, vous montez le bassin, les deux jambes pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et voilà. Pousse avec les mains, tête d'un côté de l'autre. Les gros orteils se touchent. Détendez votre corps. Relâchez les lombaires, les fessiers, les deux jambes.
sur le devant. Vous laissez inspire, le devant se gonfler. Et à l'expire, se dégonfler. Puis vous poussez dans vos jambes, vous montez vos cuisses et vos genoux. Puis vous incarnez la chute. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Et relâchez. Poussez avec les mains, tête d'un côté ou de l'autre. Gros orteils se touchent, cheville vers les extérieurs. Détendez les fessiers et les lombaires. Se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Placez vos mains sous les épaules pour étirer le dos. Revenez tranquillement dans la posture du lièvre en poussant sur les mains. Les fessiers reculent, les jambes sont serrées. Les fessiers vont vers les talons. Gardez les mains loin devant. Les fessiers en direction des talons. Vous sentez l'étirement dans les lombaires. Tant que vous ne bougez pas les mains, les fessiers en allant vers l'arrière étirent le bas du dos. Milieu du dos, rétroversion du bassin, vous gagnez encore quelques millimètres vers l'arrière avant de laisser glisser les mains effectivement pour que les fessiers aillent un petit peu plus loin vers le talon. Gardez le front au sol, posture du lièvre. Le bas-ventre se gonfle sur les cuisses à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Gardez vos paumes des mains en contact avec le sol le plus longtemps possible, une fois que ce
positionner, d'avoir un contact ferme entre l'intérieur du genou droit et le dessus du coude droit. Donc vous descendez les fessiers, vous ouvrez vos genoux et vous resserrez au-dessus de vos coudes, sur le bas des biceps, vos intérieurs de genoux. On ne gardera pas les fessiers en bas, le but est une fois qu'on a établi le contact sur le dessus des coudes, on remonte les fessiers, on rentre le nombril et on visualise en redressant le menton et en emmenant les épaules comme à l'échauffement un petit peu au-dessus des doigts pour mettre le poids du corps vers l'avant. Si on peut déjà décoller un pied en tendant la pointe de pied gauche par exemple et ramener le talon gauche vers le fessier gauche, si on voit qu'on peut déjà décoller un pied à gauche et ressentir le contact entre l'intérieur du genou gauche et le dessus du coude gauche. On le fait à gauche, on le fait à droite, on ramène la pointe de pied, le talon droit vers le fessier droit et on sent le contact qu'on a entre l'intérieur du genou, on est posé avec l'intérieur du genou au-dessus du coude. Une fois qu'on l'a fait à droite et à gauche, on essaiera de le faire et à droite et à gauche en rassemblant les deux pointes de pied, en gardant le menton vers l'avant, la tête relevée, les doigts bien ouverts, le nombril rentré serré et l'appui entre les deux intérieurs de genoux et le dessus des coudes, le bas des biceps. Posture du taureau, Kakasana. On redresse le menton, on ne se jette pas dans la posture, on établit le contact. L'intérieur du genou, il peut être au départ plus bas sur le dessus du coude. Voilà. D'aller vers l'avant. Quand on sera vraiment à l'aise, ici,
on pourra baisser la tête et contrôler sa descente pour poser le sommet du crâne au sol. Sommet du crâne qui est posé au sol, sèche la salle à 3, on redresse le dos, les lombaires, puis les jambes. Posture du poirier. Et ensuite, pour revenir dans la posture Kakasana, la posture du corbeau, vous rétablissez le contact avec les genoux, vous remettez un petit peu de poids du corps vers l'arrière, mais pas trop, pour pousser dans les mains et redresser la tête. Ça, c'est les postures avancées. Ensuite, hein, déjà, on établit son contact dans le corbeau, et ensuite, on verra pour la suite. Soit en plein dans la, soit en haut, soit au niveau du périnée. Là, on voit.